First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me retrouve pour une vidéo très brève. Donc c'est juste pour vous parler de ma boutique Etsy. Donc il y a une ou deux semaines, j'ai fait une annonce dans ma story Insta pour dire que tout simplement j'arrêtais les yeux sans pupille en 13 mm. Pour vous expliquer le pourquoi du comment, avant de procéder à la suite, c'est qu'en fait le 13 mm en cabochon transparent en verre est devenu presque introuvable, ou alors faut connaître des sites étrangers que je ne connais pas. Et même si je connais des sites étrangers, comment dire, quand je tape dans la barre de recherche en anglais ou en français des cabochons, je ne trouve rien. Donc voilà. Et une annonce que j'avais trouvée sur eBay il y a plusieurs mois, c'était marqué que c'était du 13 mm et en fait c'était du 14. Car ça ne passait pas dans les globes Pulip et Taeyang, ça tenait même pas, ça dépassait de beaucoup en fait. Et donc pour cette raison là, j'arrête, je n'ai pas le choix, ça dépend pas de moi, le 13 mm. Je ne dis pas que ça n'existe plus, ça existe encore. Seulement moi, dans toutes les recherches que j'ai fait sur un site étranger qu'une dolienne m'a donné, ça ne marche pas. Sur les sites français tels que Etsy, eBay, je n'en trouve pas. Donc on va dire que pour le moment, pour une durée indéterminée, j'arrête les yeux sans pupille 13 mm. Néanmoins, je continue les 12 mm, donc toutes mes annonces en yeux sans pupille ont été toutes modifiées. Il n'y a que du 12 en sans pupille, mais le reste ne change rien. C'est-à-dire que mes yeux avec pupille, c'est toujours du 13, ça ne change rien. Là, je parle vraiment des yeux sans pupille. Qu'est-ce que je peux dire de plus? D'ailleurs oui, Dimitris est chauve, mais j'attends sa nouvelle perruque qui n'est toujours pas arrivée et qui est bloquée en France depuis plus d'une semaine. J'ai un peu peur, mais passons. Dimitris n'est pas le sujet de la vidéo, mais parce qu'il était trop beau, je voulais juste le montrer en vidéo et je n'étais pas potable à me présenter, donc j'ai préféré montrer Dimitris. Bref, donc voilà, il ne reste que du 12 mm en yeux sans pupille. Je sais que ça va me faire baisser par rapport à mon nombre de clients parce que souvent les gens ont des grooves et pas forcément des zoom planning. Et comme marqué dans mes annonces, le 12 mm passe sur groove et JP. Le seul gros souci majeur, c'est que le 12 mm sur des grooves, il y aura forcément 1 mm qui ne va pas remplir les globes des yeux. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille de si vous m'achetez des yeux sans pupille en 12 mm, de mettre l'œil le plus bas possible dans les globes et pas monter l'œil vers le haut. Je sais pas si vous me comprenez, parce qu'en fait quand vous allez faire des photos ou peu importe, vous allez voir qu'il y aura un écart qui ne remplira pas les globes de votre pupille, de votre Taeyang, etc. Bon, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens savent. Heureusement, je ne suis pas la seule à vendre des yeux avec des cabochons qui sont en 12 mm. Il m'en reste une ou deux paires en 13 mm que j'ai préféré garder pour ma collection au cas où. Et mes dernières paires de 13 mm que je pouvais vendre, je les ai vendues. Voilà. Mais c'était juste pour vous faire piqûre de rappel importante qui concerne ma boutique Etsy, parce que j'ai toujours autant de clients. Et d'ailleurs je vous remercie du fond du cœur de toujours autant m'acheter sur ma boutique Etsy, ça me fait très 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 plaisir, surtout quand vous me laissez une note sur ma boutique Etsy. Donc voilà, c'est tout pour cette information, j'espère qu'elle vous aura été utile pour les acheteurs futurs ou déjà actuels de ma boutique Etsy. Comme d'habitude, ma boutique Etsy et le reste de mes réseaux sociaux actifs sont marqués dans chacune des descriptions de toutes mes vidéos. Donc voilà, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut.